Lyon, métropole dynamique de France, connaît une transformation remarquable. Deux grands projets de rénovation urbaine, La Part-Dieu et Gratte-Ciel, redessinent le paysage de la ville. Ces projets ambitieux visent à moderniser les infrastructures, à améliorer les espaces de vie et à créer un environnement plus durable et plus agréable à vivre pour tous. Cependant, ces projets d'envergure s'accompagnent de leur lot de défis, notamment dans le domaine de la logistique urbaine. La circulation des marchandises, des matériaux et des équipements est essentielle au succès de ces projets. Mais ce flux constant peut également entraîner des embouteillages, de la pollution et des perturbations de la vie quotidienne. Consciente de ces problèmes potentiels, la métropole de Lyon a adopté une approche proactive pour révolutionner la logistique urbaine. En mettant en œuvre des solutions innovantes et en coordonnant les efforts, la ville vise à atténuer les impacts négatifs de la construction tout en maximisant les avantages pour ses habitants. La Part-Dieu, le quartier d'affaires animé de Lyon, fait peau neuve. Autrefois caractérisé par des infrastructures obsolètes et des espaces verts limités, le quartier se transforme en un pôle moderne et convivial pour les piétons. Le projet comprend la rénovation de la gare, la création de nouveaux parcs et places publiques, ainsi que la construction d'immeubles de bureaux et de tours résidentielles. L'objectif est de créer un quartier à usage mixte dynamique qui intègre harmonieusement le travail, l'habitat et les loisirs. La Part-Dieu repensée offrira des trottoirs plus larges, des pistes cyclables dédiées et des transports en commun améliorés, encourageant ainsi des modes de transport durables. Le projet accorde également la priorité à l'efficacité énergétique et aux pratiques de construction écologique dans le but de réduire son impact environnemental. De l'autre côté de la ville, dans le quartier de Villeurbanne, le projet Gratte-Ciel donne un nouveau souffle à un quartier historique. Ce projet ambitieux comprend la rénovation de bâtiments existants, la construction de nouveaux logements et la création d'espaces communautaires. Le projet vise à améliorer la qualité de vie des résidents, tout en préservant le caractère unique du quartier. Gratte-ciel ne se résume pas à des briques et du mortier. Il s'agit de construire un sentiment d'appartenance fort. Le projet prévoit la création de nouvelles écoles, de centres communautaires et d'espaces verts, favorisant ainsi les interactions sociales et le sentiment d'appartenance. De plus, Gratte-ciel met l'accent sur des options de logement abordables, garantissant que des personnes de tous horizons puissent s'installer dans ce quartier revitalisé. Si les projets La Part-Dieu et Gratte-ciel promettent un avenir meilleur pour Lyon, leur ampleur même représente des défis logistiques importants. Le mouvement constant des matériaux de construction, des équipements et des travailleurs peut obstruer les artères de la ville, entraînant des embouteillages et des retards. La circulation accrue des camions contribue également à la pollution sonore, perturbant la tranquillité des quartiers résidentiels. De plus, le manque de zones de chargement et de déchargement désignées entraîne souvent des stationnements illégaux, ce qui aggrave encore la congestion et crée des désagréments pour les résidents. Cinquième partie : prendre le contrôle, le rôle de la métropole. Consciente du chaos potentiel, la métropole de Lyon a adopté une approche proactive pour gérer la logistique de ses projets d'envergure. Au lieu de laisser le soin aux entrepreneurs individuels, la métropole a centralisé le contrôle de la logistique de construction. Cette approche centralisée permet une meilleure coordination, l'optimisation des itinéraires de livraison et la mise en œuvre de solutions innovantes. La métropole a mis en place une plateforme logistique dédiée qui fournit des informations en temps réel sur les activités de construction, les conditions de circulation et les zones de chargement disponibles. Cette plateforme permet aux entrepreneurs de planifier leur livraison plus efficacement en minimisant les perturbations et en maximisant l'efficacité. Dixième partie. Une bouffée d'air frais. Avantage pour les résidents.
L'approche innovante de Lyon en matière de logistique urbaine produit déjà des avantages tangibles pour la ville et ses habitants. En s'attaquant à la congestion routière, à la pollution, au bruit et au stationnement illégal, la ville crée un environnement plus vivable et plus durable pour tous. La réduction de la congestion routière se traduit par des temps de trajet plus courts, une meilleure qualité de l'air et une expérience urbaine plus agréable. De plus, l'engagement de la ville en faveur de pratiques de construction durable et de l'utilisation de véhicules électriques contribue à ces efforts globaux de lutte contre le changement climatique. La révolution de la logistique urbaine ne se résume pas à l'efficacité. Il s'agit de créer une ville plus saine et plus vivable pour les générations à venir. 11e partie, Lyon, un modèle pour l'avenir. L'approche innovante de Lyon en matière de logistique urbaine établit une nouvelle norme pour les villes du monde entier. En adoptant une vision globale des défis et en mettant en œuvre une gamme de solutions, Lyon démontre qu'il est possible de gérer les complexités du développement urbain à grande échelle tout en minimisant les impacts négatifs sur les résidents et l'environnement. Alors que les villes du monde entier sont confrontées à une pression croissante pour accueillir des populations croissantes et répondre aux préoccupations environnementales, le modèle de logistique urbaine de Lyon constitue un plan précieux pour créer des environnements urbains plus durables et plus vivables.